Fin du suspense pour les examens de fin d'année en Côte d'Ivoire. La direction des examens et concours publie les dates des épreuves pour le BTS, BAC, BPC et CP. Mardi 15 avril 2014, l'art est célébré. C'est une journée consacrée à sa promotion. Enfin, regain de tension aujourd'hui en Égypte. Deux policiers et un passant blessés dans un attentat au Caire. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. Tout d'abord, le calendrier des examens de fin d'année en Côte d'Ivoire. Et ce sont les écoliers présentant le certificat d'études primaires et élémentaires, le CP, qui vont ouvrir le bal des examens en mai 2014, tandis que leurs aînés du brevet de technicien supérieur, le BTS, fermeront la marche en juillet prochain. Les détails avec Ami Koulibaly. Les dates des examens à grand tirage sont connues depuis hier. Des dates rendues publiques par la DECO, la Direction des examens et concours. Les examens blancs du CEP débuteront le 6 mai prochain. Les épreuves physiques et sportives du BEPC débutent aujourd'hui même et s'achèvent le 26 avril. Les épreuves orales et pratiques, toujours concernant le BEPC, se tiendront du 3 juin au 6 juin 2014 et les épreuves écrites du 10 juin au 12 juin 2014. Concernant le baccalauréat, les épreuves physiques et sportives vont démarrer le 29 avril et prendront fin le 10 mai. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat de l'enseignement technique se tiendront du 17 juin au 27 juin 2014. Et les épreuves orales et pratiques de l'enseignement artistique débutent, elles, le 23 juin et s'achèvent le 27 juin 2014. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat, toujours de l'enseignement général, elles vont se tenir du 24 juin au 27 juin 2014 et les épreuves écrites du baccalauréat vont se tenir du 1er juillet au 4 juillet prochain. Enfin, ce sera au tour du BTS avec les épreuves écrites qui auront lieu du 14 au 29 juillet 2014 et les épreuves orales du 21 au 26 juillet 2014. Voilà, les dates des examens à grand tirage 2014 sont connues, mais il importe que les apprenants soient dans les conditions requises pour les réussir. Cependant, de plus en plus d'écoles en Côte d'Ivoire tombent en ruine. C'est le cas du groupe scolaire Siporex 3 de Yopougon. Moisissures sur les murs, vitres brisées et toilettes insalubres. Le personnel enseignant demande de l'aide pour la restauration de l'établissement scolaire. C'est un reportage de Michel Mambou. Toiture décoiffée, murs lézardés, sertis de moisissures, toilettes crasseuses, infectes. Le groupe scolaire Siporex 9 est dans un piteux état. Vieux de 39 ans, cet établissement situé au quartier Toit Rouge dans la commune de Yopougon ploie sous le poids de l'âge. La place n'a pas de lumière. Tous les ampoules qui sont là. Même le circuit électrique, même c'est parti d'un peu. Donc, les élèves ont d'énormes difficultés avec les élèves qui travaillent quand le temps s'assemblit. Et que, bon, l'effectif est un peu élevé, les tables vont ne suffisent pas. Et ces vitres brisées et autres canaux d'évacuation toujours bouchés, source d'odeurs nauséabondes, n'ont rien de rassurant. Les responsables de l'établissement, en quête de moyens financiers pour la réhabilitation des locaux, lancent un SOS. Pour nous avons aussi des difficultés, on a besoin de réhabilitation. Les enfants viennent à l'école, c'est dans un environnement pas trop agréable. Nous avons, je l'ai dit, l'ambition de rendre agréable cette école. Vous voyez ces enfants qui sont là, on peut pas les venir. Il faut leur donner le courage de venir à l'école. Un apport un peu consistant pour pallier cette difficulté. Un seul objectif, offrir à ces 700 élèves qui connaissent déjà des conditions difficiles de travail un cadre d'études un peu plus décent. De grands moyens déployés pour sécuriser la PAC 2014 en Côte d'Ivoire. Le ministre chargé de la Défense a entrepris récemment une tournée dans le Vébaoulé, notamment à Toumoudi, Daoukro et Brobo. Il s'agissait pour Paul Kofi Kofi de délivrer un message d'assurance aux populations visitées. Paul Kofi Kofi annonce une vaste opération de sécurisation.
Aujourd'hui, mardi 15 avril, c'est la célébration de la Journée mondiale de l'art. Il s'agit pour l'UNESCO de souligner l'importance de l'art dans la vie de chacun. En pratique, de nombreuses manifestations sont organisées dans plusieurs pays par des peintres, céramistes, sculpteurs et autres plasticiens. Cependant, quelle est l'origine de la Journée mondiale de l'art? On fait le point avec Ami Koulibaly. Comme toutes les autres journées mondiales, l'art a également sa place dans le calendrier annuel. L'art est célébré tous les 15 avril depuis 2012. Le 15 avril, pour rendre hommage à Léonard de Vinci, célèbre peintre né le 15 avril 1452 en Italie, qui a peint la Joconde. Une initiative de l'International Association of Art, appuyée par l'UNESCO. L'art, c'est la sculpture, la peinture, les dessins, l'expression chorégraphique vocale, entre autres. Et l'art tire son origine de la préhistoire avec l'Homo sapiens, qui a marqué son passage sur Terre par des gravures rupestres dans des grottes, des sculptures et des dessins. L'art est aujourd'hui une référence dans les différentes sociétés et témoigne de la production créatrice d'un peuple. L'art, œuvre de l'esprit, laisse libre cours à l'imagination. L'art est donc à l'honneur ce 15 avril pour le bonheur des artisans. Au chapitre culture, la 10e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, le FICAD. L'événement se tient du 12 au 20 avril prochain avec un invité de marque, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'occasion pour la délégation de l'UNESCO de s'imprégner des valeurs culturelles des peuples du Ifou. Il s'agit là de classer la ville de Daoukro au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je vous invite à présent à découvrir une grande attraction lors de ce Festival international de la culture et des arts de Daoukro. Il s'agit du chansonnier baoulé Conan Secret. Ses pas de danse et sa tenue vestimentaire ont surtout séduit le public. Laetitia Manglet. Des chaussettes vertes montées jusqu'aux genoux, des lunettes solaires, un sombrero, une guitare à trois cordes. Vous ne vous trompez pas, cet accoutrement est bien celui d'un artiste, atypique pourrait-on dire. Conan Secret, c'est cet homme que nous avons rencontré en pleine répétition dans son studio musical au quartier Gravier d'Or, dans la ville de Daoukro, quelques minutes seulement avant prestation. Ex-footballeur, également ex-employé au palais présidentiel, Conan Secret dit avoir tout laissé, non pas par passion pour la musique, mais plutôt à la recherche d'un mieux-être. Quand il joue ballon là, il ne connaît pas papier. Il ne sait pas ce qu'il veut faire. Nos frères qu'on a joué ensemble, comme beaucoup Laurent, ils connaissent papier. Ils sont déjà partis devant. Moi aussi, quand je regarde, ça ne va pas. C'est là que je dis, bon, je vais débrouiller un peu, comme on voit, vraiment, quand je vais au sang, je sens. Et puis, mon voix, c'est toujours bien. C'est là qu'il a pris mon guitare. Quatre fois époux et père de 35 enfants, Conan Secret, aujourd'hui âgé de plus de 80 ans, est à la recherche d'éventuels producteurs en vue d'exporter son look vestimentaire et son style musical. Chose qui pourrait l'aider à mieux assumer son rôle de père de famille. Je vais sortir album. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Donc, s'il y a album, là, vraiment, je suis très content. Toutes les chansons, ce qu'il veut faire, je vais mettre dessus. Les derniers accords musicaux, semble-t-il, ont valu leur pesant d'or. La prestation de Conan Secret sur la place Henri Conan Bédier de Daoukro a fait un tabac. En bref, le Nigeria, plus de 100 jeunes filles ont été enlevées dans un établissement d'enseignement secondaire du nord-est du pays par des islamistes lourdement armés. Ibrahim Boubacar Keïta est à Dakar. Il s'agit de la toute première visite officielle du dirigeant malien au Sénégal. Objectif, renforcer la coopération bilatérale. Ibrahim Boubacar Keïta a également renouvelé son appel au dialogue avec les groupes armés rebelles et les communautés du Nord Mali. C'est sans doute l'un des temps forts de sa visite d'État au Sénégal. La présence du président malien dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale constitue un symbole, celui de la singularité du lien qui unit Dakar et Bamako.
À la tribune, Ibrahim Boubacar Keïta évoque le processus de réconciliation nationale dans son pays. Devant les députés sénégalais, Ibeka s'engage à relancer ce processus en panne. Je renouvelle mon appel au groupe rebelle ainsi qu'à toutes les communautés du nord du Mali. Qu'ils viennent et que nous nous mettions d'accord, chacun devant accepter de concéder, mais tous d'accord pour la préservation totale et sans équivoque de notre intégrité territoriale. Le mouvement national de libération de la Zawad réclame une large autonomie du Nord Mali. C'est l'un des groupes armés invités à la table de négociation. Le MNLA juge peu crédible le message du président Ibrahim Boubacar Keïta pour la rébellion Touareg. Seuls les actes du président malien peuvent ramener définitivement la paix dans le Nord. Dans le bras de fer qui l'oppose aux groupes armés, Ibrahim Boubacar Keïta bénéficie du soutien du Sénégal. Nous avons opéré une montée en puissance passant de 510 à 700 soldats à partir de la fin de ce mois d'avril dans le cadre du renouvellement du contingent qui était donc sur place aussi bien à Gao, à Kidal que dans les autres bases, notamment à Sévaré. Outre le renforcement de ses troupes au sein de la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, Dakar s'engage à intensifier sa coopération avec Bamako dans le domaine du renseignement. La visite d'État d'Ibrahim Boubacar Keïta s'achève ce mardi. En Égypte, des élections sans les frères musulmans. La justice égyptienne interdit aujourd'hui à la confrérie du président destitué Mohamed Morsi de se présenter à la présidentielle et aux législatives de 2014. L'Égypte, où deux policiers et un passant ont été légèrement blessés aujourd'hui par l'explosion d'une bombe au Caire, la capitale. L'offensive visait les forces de l'ordre. Une attaque à la bombe a blessé deux policiers mardi au centre du Caire. La police est la cible de la confrérie des frères musulmans interdite depuis le coup d'État contre le président Mohamed Morsi. Mais la répression contre les frères se poursuit. Deux membres de la confrérie ont été tués par la police vendredi dans une fusillade au nord du Caire. Un de leurs partisans a également été tué à Alexandrie par la police lors de la dispersion d'une manifestation. En Afrique du Sud, c'est la fin d'un interrogatoire musclé pour Oscar Pistorius. Le champion paralympique nie toujours toute intention de tuer sa fiancée en février 2013. En Afrique du Sud, dernier jour de l'interrogatoire d'Oscar Pistorius par le procureur Jerry Neal. Accueilli par ses fans, l'athlète accusé du meurtre de sa petite amie a été qualifié de menteur par le procureur sud-africain qui a également reproché à Oscar Pistorius de pleurer pour éviter les questions. Prévu pour durer 3 semaines, le procès pourrait ne s'achever qu'à la mi-mai. Une mesure de clémence pour Silvio Berlusconi. La justice italienne accorde aujourd'hui à l'ex-chef du gouvernement italien la possibilité de purger sa condamnation à 1 an sous forme de travaux d'intérêt général. Silvio Berlusconi devra donc se rendre 1 fois par semaine dans un centre médicalisé pour assister les handicapés et personnes âgées. Dans l'est de l'Ukraine, l'autorité de Kiev se réduit d'heure en heure. Le président ukrainien par intérim Turchinov a demandé hier le déploiement de casques bleus onusiens dans cette partie du pays où des insurgés pro-russes occupent des mairies et commissariats. Voilà, excellente soirée à vous sur votre chaîne RTI2 et à très bientôt.